Ou imaginons que yon moun l'hypothèse péché nous yon pas péché. Li fait tête, li m'a dit chant, mais elle va maudit. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Changer me dit ou non, Matthieu 1, 20. Les textes a dit, Marie, l'enfant que tu as conçu vient du Saint-Esprit. Marie représente l'Église. Et l'enfant à travers de Marie, c'est l'Esprit. Dieu montre-nous comment il pral entrer dans l'Église là. Pour le plein l'Église avec l'Esprit. C'est ça le pral, il t'a montré nous. Le Saint-Esprit, c'est le Père de l'enfant, selon Matthieu 1, 20. Comme en réalité, le Saint-Esprit n'a pas d'enfant. Dans le vrai langage de la révélation, ou plutôt dans la révélation, ça veut dire l'Esprit de Dieu qui parlait à travers de Marie, qui t'a parlé dans votre Marie. Parce que l'enfant, c'est la parole. Et la parole, comme dans votre Maria, c'est la parole de l'Esprit. Il dit, Timon, c'est pour le Saint-Esprit qui fait. C'est Saint-Esprit qui parle. L'enfant que tu as conçu vient du Saint-Esprit. Il a dit, Saint-Esprit qui parle. Ça dit, ça, quand dans votre toi, c'est Saint-Esprit qui fait. Ça, quand dans votre mari, c'est qui ça? C'est la parole, pas vrai? Qui est-ce qui a parlé les paroles quand dans votre Maria? Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jean-Paul, le verset premier, dit, au commencement, Dieu parlait. Vas-y, au commencement était la parole. Ça veut dire au commencement, Dieu parlait. Ça veut dire, depuis le commencement, Dieu t'a parlé. Et regardez dans Genèse, depuis au commencement, Dieu n'a pas commencé à parler. La trame de votre mari, il commence à parler. Et c'est comme ça la patronne dans l'église pour le parler. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit, ou autrement dit Dieu, Jean 4, 24, 4, Dieu est Esprit. Genèse 1, 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, c'est-à-dire Dieu parlait, que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu entrant dans l'église là, le jour de la Pentecôte, l'entrée, et il parlait. Il n'est pas en train d'enseigner, il est en train dans tout le monde, graine par graine. Et puis après ça, il commence à parler. Pourquoi les gens parlent? Parce qu'ils sont vivants. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas vivants qui parlent? Non. Non. On a dit dans Éphésiens 2 pour nous parler des phénomènes morts. Pour comprendre, parce que nous sommes dans le même côté, dans le même bout là. Pour nous arriver côté Bralivia pour nous conclure tout à l'heure. Éphésiens 2. Qui ça le dit? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péché. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Puissance me dit esprit. Selon le prince de l'esprit de l'air. Parce que puissance me dit esprit. Acte 1er verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se vient sur vous. Allez, puissance, ça c'est Saint-Esprit qui est lié. Ouais, le prince de la puissance de l'air. Hein?
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Moi, j'étais allé à la première phrase. Vous étiez morts. Pourquoi le dit au passé? Enfin, vous étiez morts. Hein? Le plus que parfait, vous étiez morts. Pourquoi il dit, vous étiez mort? Parce que avant pas de l'esprit bon Dieu. Où t'es mort? Est-ce qu'ils ont mort, c'est pour un zombie? Qu'est-ce qu'on dit mort, zombie? Et par les magas là? Et ça, l'homme dit zombie, tout le monde, comme si on s'est dit, c'est comme dit, et jouer samedi, il n'a pas écrit. Vous pensez que le don bagaille, il n'a pas écrit? Vous pensez que faire ça? Et si vous conseillez, il va me répondre. Vous pensez que sort ton bagaille dans la bouche, moi, pas écrit? Sous mal don bagay qui pa ekri, son excès de zèle li rele wi. Et tout excès de zèle, ou kon sa kap rivo, bouchou kap fermé, ronte kap blay sou. Vous étiez mort. Qui sa k vin fèm vivant? Acte 2:38. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous recevrez l'Esprit. Donc, Colossiens 2:12. Qu'on a tombé dans Colossiens 2:12. M'arrivé dans Colossiens 2:12, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance, ça veut dire la foi dans le Saint-Esprit qui te révèle parmi moyo. Donc, vous recevez le Saint-Esprit puisque l'on baptisé ou mourir, en ce livre dit mourir, c'est-à-dire en ce livre dit enterré, sous enterré, c'est parce qu'on est mouru. Là, on ce livre nous avait dit enterré, mais tu en battais. Et c'est que mon pas dit, on va aller en thème. Et comment dire? Mon pas dit, on va chanter en thème. Ça n'a pas existé. Enterrement, ce n'est pas chanter en thème. Chanter en thème n'a pas existé. Enterrement, oui. Enterrement, vous voulez dire, mettez dans tout. L'homme ne doit pas aller en thème ou aller dans l'église, c'est parce que nous sommes zombies qui sont liés. Ou pas qu'à dire, on va aller en thème pour son don bâtiment d'église ou entrer. Sous pral non enterrement, c'est dans cimetière ou aller pour voir côté à mettre mon dans trou. Et ça que tout le monde qui dans message là automatiquement pral non enterrement, c'est dans trou, dans cimetière côté à mettre mon dans pour aller. Parce que c'est là enterrement y est. C'est là enterrement y est. Et d'ailleurs c'est là discours doit fait si a font discours comme si parler des mon, c'est pas me dire chanter, glorifier, prêcher non. Discours. Vous parlez de mon nom. Après ça, vous mettez dans tout. Pas ni prier, ni chanter. Vous avez prié, chanté, l'autre dit, vous avez réglé ça. C'est tout tard. Donc, les m'enseveli, a dit m'enterrer par le baptême. M'besoin ressuscité. Parce que si m'enterrer, c'est que mourir. Maintenant, la poume vivant, sans l'esprit pour rendre moi vivant. Mais avec qui l'esprit m'était enterré? Si vous battez ou mourir ou pas enterré à Christ ou entravé, ou pas pleuver. Si vous battez au dernier, si vous battez ou battez ou aller là. Ou parler avec Christ ou pas pleurer. Parce que pour ressusciter, ou besoin de l'esprit pour ressusciter. Si ce n'est pas l'esprit Christ qui lève, ou. Si ce n'est pas avec Christ ou aller, en vérité, chire ou pleurer, oui. Même, bon, c'est même pas lever. Parce que c'est juste une passation. Un changement d'endroit de l'enfer à la géhenne.
L'aime fine. M'enterrer avec Christ par baptême, non? Ou qui ça texte a dit? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, dit m'enterrer avec Christ. C'est ça baptême, non? M'enterrer avec Christ par le baptême. Ou autrement dit, m'enterrer avec Christ par la plongée, immergée ou l'immersion ou le plonger dans, totalement dans l'eau avec Christ. Et vous êtes aussi ressuscité en lui. L'aime plonger, me plonger avec elle. L'aime lever, me lever dans Christ. Et me lever avec elle. Qui ça fait me vivant, l'aime-le? Qui ça permet que moi, c'est l'Esprit Christ? Et depuis moi, c'est que je suis vivant. Si je suis vivant, c'est que j'ai l'Esprit dans moi qui cause me vivant. Parce que sinon, enveloppe la mort, il passe pas rien. Et son autre façon de souffler. Nous n'allons pas souffler, puisque nous n'en règne deuxième Adam, l'entraîne dans nous. L'entraîne en vie, nous. Parce que pour me lever, besoin la vie, besoin vie qui pour faire me vivant. Autrement dit, besoin esprit qui portait la vie pour me faire me vivant. La loi de l'esprit de vie. Donc, besoin l'esprit de vie pour me ressusciter et pour me vivant. Et si je n'ai pas l'Esprit Christ,